Oui, j'ai adoré. Bah, j'ai apprécié ce match. C'était vraiment du beau Magic. <laughs> que des anti-bêtes. Que ça interagit. La, la combo elle oui. marche, je vous jure. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va Ça va très très bien et toi Ça va très bien. Oh, t'as eu un petit temps de pause là. Tu te demandais si je parlais à toi. Non, non, j'étais en train de regarder la décliste. J'étais un peu perdu, mais euh, je, vais me... je vais me recentrer pour <laughs> je... cette vidéo. Pardonnez-moi, euh, YouTube. recentrer. Euh, comment ils vont Comme on voit YouTube, nous ça va très très bien en tout cas. Aujourd'hui on vous présente porté 2, euh, Broncox. Voilà. Ouais. On a euh, un peu de ping, ça a régalé. Hein. on sort de 30 heures de cast, euh, on est lundi matin là, c'est pour ça. C'est ouais, pas évident, c'est pas évident, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Euh, Aujourd'hui on vous présente cette déclisse qui a l'air un peu étrange, mais qui a parfait, enfin parfait, qui, a, euh, qui nous a régalé, on l'a vu en table filmé au Pro Tour. Il a euh, raisonnablement caustique. bien gagné au Pro Tour vu l'exotisme de la liste. Oui, c'est en fait c'est que comme il y a du draft, c'est vrai que c'est plus dur de perfer, même si c'est un bon deck standard qui fait des trucs. Mais, euh... Mais dans sa portion standard, il n'était pas dégueu euh, l'ami Bronco. Il, était... ah, il, a, il a un très très bon winrate, hein. il a un winrate positif Et... dans sa portion standard, voilà. donc euh, c'est peut-être même le draft qu'il a mis en dehors. Oui, très certainement. Euh, Bronco Caustic qui va essayer de mettre 15. Voilà, juste avec compte de la fatalité. Avant d'en dire plus, on met le petit pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on remercie les sponsors, playing by magic bazar, code valet PL 2024 sur la boutique boutique, pas la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous me et merci à UltimateGuard. Rien d'affilé dans la description, vous cliquez, vous êtes sur le site, vous achetez vos boulders euh, qui sont magnifiques. Hein. Vous achetez euh, pas cette gourde, mais c'est une gourde Ultimate Guard, ça fait plaisir. Euh, des sleeves, des classeurs, tout ce que vous voulez là. Tout est excellent chez eux. Régalez, vous n'hésitez pas. Nouvelle couleur de Steve Katana qui arrive. Quel plaisir. Euh, et si vous voulez passer une tête sur Vocht, c'est quatre fois par semaine. Lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Si vous regardez cette vidéo dans les temps, pas ce dimanche. Nous serons au Galaté CG passer nous voir hein, si vous voulez, espace champéré à levallois Péré à Paris, euh, samedi, dimanche, toute la journée. Mais voilà, du coup, pas de live VOCT euh, ce dimanche. Euh, c'est une application de vente aux enchères en live sur laquelle vous pouvez rentrer le code la belle carte tout attaché pour avoir une réduction lors de votre premier achat. Pas forcément chez nous, mais si c'est chez nous, ça fait plaisir, c'est mieux. Et on fait du bien. box break, de la carte à unité, du magic principalement, un peu de tout. N'hésitez pas à passer, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait ce Broncox Alors, on le disait, Bronco-Caustique, ça met des dégâts en fonction du CCM et on met la carte dans notre main. Sauf si c'est scellé, dans ce cas-là, ça fait des dégâts à l'adversaire. Et là, c'est mieux. Et du coup, on joue deux Ombres de la Fatalité pour essayer de mettre 15 à l'oppo. Si jamais on prend 15 avec ombre de la Fatalité nous-mêmes, ben on peut jouer ombre de la Fatalité pour 2 manas, ça fait une 7-7. C'est peut-être pas suffisant, mais au moins on se. Re... Oui, tu te rentabilises on un peu. On rentabilise un peu voilà, les points de vie perdus. Euh, qui qu qu a, qu a déjà un super artwork ouais. alternatif la, pour L'avantage, la, c'est que tu vas très rarement prendre 15 parce que tu n'en as que 2 dilués dans ton deck de 60. Par ouais. contre, pour mettre 15 à l'adversaire, tu vas assez facilement le faire parce que tu joues des avarices insatiables. Et, oui. Et c'est là où la liste elle est un peu marrante, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de juste faire fonctionner Bronco avec, de manière un peu random, ton 7-7 ton, ton, ton pour, pour 15, tu as vraiment tout un plan de jeu qui a été mis en place autour. Tu vas pouvoir aller chercher ton drop 15 et le mettre sur le dessus de ton pack attaquer avec le bronco pour mettre 15 à l'adversaire. Tu as d'autres moyens du coup de faire fonctionner et de faire attaquer ton bronco, tu as notamment Screlve plus d'effectrice qui permet de protéger ton bronco et de le faire passer et donc d'attaquer avec. Pour le sceller, on va jouer que des cartes qui ont plus de 3 d'attaque. Donc ça passe notamment par tes drop 2 que sont la de Raffine et euh, l'Outsider Tenace ainsi que le Garant de euh, consacré. Et donc vraiment tu as l'impression que toute la liste elle a été tournée autour de la synergie entre Bronco et le fait de mettre 15. Mmh. J'aime beaucoup aussi euh, l'Ange, donc du coup le Séraphin d'Acier, qui en vrai est un drop 3, ce qui te permet d'avoir une belle curve, mais ce qui te permet quand tu le révèles sur Bronco Caustique, du coup de mettre 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et, et il en donne plus vol de bronco. ça, voilà, ton Séraphin il donne vol au Bronco. Donc tu as vraiment une espèce de synergie vraiment bronco orientée mmh. qui rend le deck quand même assez sucré. Quoi. Ouais. Très cool, et notamment Berger voilé, très belle trouvaille, parce que ça met moins en moins en bête adverse, donc euh, Boros, ça dégage, et euh, quand il arrive, ça met plus de plus de une bête, mais il peut cibler lui-même. Donc en fait, il peut être 4-4 pour sceller le Bronco. Donc ça marche aussi. Tout à fait. Ça fait plaisir. a fait, euh, chez... gros expliqué, hein. chez Old Red, qui peut tuer, hein alors déjà parce que c'est Red. et aussi parce qu'un Varis Insatiable face à l'adversaire, bah, il prend 9, parce qu'il perd 3 points de vie, il pioche 3 cartes, et 3 fois 2, 6, donc ça fait 9 points de vie. Quand vous avez un peu agressé en early, euh, 9 points de vie ça tue quoi Sans, sans trop de galère. Ouais, C'est du bon paquet, hein, franchement. C'est du bon design, ça fait plaisir. En euh, side, on a deux contraintes. Une invasion de Gobakan pour aller chercher bah, du coup, les petites cartes dans la main adverse. Peut-être protéger la combo, entre guillemets. Euh, Elier de Kouzil euh, qui va faire un petit peu tout. Ça va un peu gérer le cimetière, un peu gagner de points de vie contre aggro Ça fait un petit peu des trucs. Un K.O. contre Monored. Très bien contre tes murs analystes, euh, de Cudille. Voilà, par exemple. Euh, toucher le royaume des esprits qui permet de blinker, donc de protéger une bête, de tuer un token euh, ou de gérer euh, définitivement quelque chose, enfin définitivement de gérer quelque chose, en tout cas euh, artefact ou créature pour 3. Un petit exterminé de plus parce qu'on a déjà 3 main deck Deux rest in peace contre les jeux cimetières, euh, en tout cas les jeux qui utilisent le cimetière. Lutte parasitaire, alors petit disclaimer, la décliste exacte, Joue euh, pas deux forteresses tourmentées, elle joue une seule et quatre où elles sont, mais on n'est plus droit les cartes, comme vous pouvez le voir, donc c'est chaud. Et en side, elle joue deux luttes parasitaires et non pas une lutte et un confinement temporaire. Mais nous, voilà, les temps sont durs, donc on a un petit peu modifié. Ça change pas grand chose euh, dans tous les cas. Ça change quasiment rien. Ouais. Et trois interrupteurs à main qui font plaisir. Il me semblait que j'en avais vu quatre. Non. Que, que 3 euh, bah ça ça va disrupter les, les decks contrôles notamment et ça va nous permettre de passer les points ou de tempo la game on est parti ouais let's go oui. franchement il est, euh, il est il est bien pensé en fait ce paquet c'est ça qui est cool c'est que tout tourne bien autour de la synergie qu'il a voulu mettre en place donc ça rend ça rend le deck quand même assez assez amusant est-ce que c'est assez fort pour faire partie des du format définitif je sais pas mais euh, mais les résultats parlent pour lui en tout cas oui c'est-à-dire qu'on a essayé d'interviewer le deck et il n'a rien dit, mais ses résultats ont, ont répondu à nos questions. Mais ses résultats ont on parlé, quoi. Bah, en tout cas, il en a dit assez pour qu'on ait envie de faire une vidéo dessus. Mais quand on a vu la deck tech, déjà on s'est dit, bon, on a une petite vidéo qui arrive. On l'a vu, on t'a filmé. Ça n'a pas fait des énormes dingueries, mais c'était quand même sympa à voir joué. Il y avait plein de, plein de trucs qui marchaient bien. On s'est dit, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça arrive ouais. en vidéo, ça. On vous ça présentera également, euh, je ne sais quand. Mais d'autres déclistes du Pro Tour, forcément, parce que là, les deux prochaines vidéos ne sont pas ça. Il y a le podcast, notamment, vendredi. Et il y a la déclisse du finaliste qui régale, qu'on vous présentera certainement la semaine prochaine. Go first. pardon. J'ai plus les yeux en face des trous, là. Parfait, coup de bronco dans c'est ce que le deck veut faire. Et il le fait bien. Il tape sur des bambous, et ça lui va bien. Bon encore, des bons bien, salut va Vabou. Ah oui. Salut va Vabou de Dragon Ball. Mon bref. Juste le best. Oui, il est ce bouan. sanctuaire ou quoi Je tente. Allez, hein. Ga Garang. Garang, bien sûr, tu tente. Bien sûr. Oh le Garang. Ça va être contré cette histoire. Allez, la résout, là, là. c'est bon, c'est bon, là. Oh. NSR, ça va finir les mensonges. conduire un, booster. La NSR. Euh, il... Non, c'est la, la SSR 2. pour conduire des. La SSR c'est pour conduire des scooters. Ouais. La NSR c'est pour ouvrir des boosters. Ah. Une formation pour ça. Ah, fait chier ça. Ça fait chier de zinzin. Tu dirais fait, tu dirais fait chier de merde. Ah, oh, tu fait penses. Chier débuts, de merde. Que ouais. Élue de réminiscence Fait chier de merde, ouais. Ah c'est la vie. Écoute, non, non, ça fait chier. C'est euh... la vie peut être plus simple. Oh, j'y cogne là, je crois. Okay. Vas-y cogne, cogne-le. Ah oh, je mets moins à ah, moins en bête. Tu pas autour de de contre à moins qu'il paye deux. Toi. Ah c'est vrai qu'il y a ça long long maintenant. Je reste encore oui. sur finalement son. J'aurais dû l'en un le truc. Truc. Ah oh, je vais m'en mordre les couilles. Ah oui. Ah oh, je m'en mords les oui, couilles. Oui oui bah c'est le moment oui. Tu peux. Ben, eh ouais, ouais. Un... Bah, ouais, pas trop mais... fort quand même. Peuvent être, -être ah, utiles. Avant, ça contrairement que tu payes 3 J'ai, j'ai pas encore l'habitude. Après, il y a qu'une carte qu'on ah, connaissait a, pas. Y a, y a hein, interférence... Je le souligne. Hein. Je le souligne. Il hein. y a qu'une carte qu'on connaissait pas, quoi. J'ai fait une erreur. Oui, C'est notre vrai. faute. On peut pas se, on peut, on peut pas se plaindre. Bah, il y a quand même statistiquement, il y avait peu la... de chance Ah, je me remets je pas, je pas un cigare je crois pas. Tu connais sa main. T'as déjà bloqué la meilleure carte. Ok. Moi je, là, je prends là. un vagabond de... sur un forteresse, je suis à la gueule. Hein. Oui c'est vrai. champ de ruines. Ouais mais c'est pas grave. Toi il fait rien, il pioche pas fin de tour. Euh... Bon t'avais un petit spot là, hein. c'était c'était ok. Du coup il pioche quand même fin de tour mais. Ah c'est vrai qu'il pioche quand même. Ah ok ok. Moi qui passe un peu le tour, là. Bon, après, il fallait que, que ça tu tombe. Rends tes, tu rends tes petits points, tu le fais utiliser son, son land. Ok, là, tu peux lander pour te prémunir d'un no more Life, ce qui est pas mal. À fonction de ta ça fait chier. Hein. C'est. C'est un plan. Ouais, je vais le faire, je crois. Bah, typiquement, c'est un match-up où on a très envie de s'aider. Oui, on va être content. On va être content de s'aider, ouais. Il voulait juste que j'ai plus hein. de mana blanc. C'est un truc de fou. Ça, là, joue, vu bien, ça joue bien les, les, les decks du finaliste. Hein. Mais Dès as -tu le vu matin. Non, as pas Je l'ai vu le jeu. J'ai vu le jeu qui est pas cool. Genre, j'ai 3 mana noir, 3 mana bicolores Je peux payer un, un spell blanc. Ah oui, je vais t'engager toutes tes mana Mais, blancs. Magic, Magic Arena n'est pas aidant. Ah non! Il n'est pas là pour. Euh... Il n'est pas là pour quoi? Getlost voilà. il peut le jouer. L'arc. Bah... Si tu fais déluge c'est à moins qu'il paye 4 Ouais si mais il euh, là il va getlost. Euh, merde sorti. En fait si jamais je dis pas une des deux cartes il va jouer les deux. Eh, moi je... si tu dis déluge dans tous les cas le déluge il restera toujours. Euh... Non si tu, si là, tu y, y a en fait, si tu dis Get Lost, il va faire Get Lost sur celui qui cible le déluge. Et après, il, il aura déluge tu à tu 4. Dis... Ouais, alors si tu dis déluge avec les deux, dans tous les cas, il a déluge à 6. Quoi. Ouais, après, il... Ouais, C'est ouais. toujours mieux que de... Du... Il fait fin de tour et après, il a son déluge up. Dans tous les cas, il va Get Lost un des deux, et au moins tu gardes l'attaque sur le déluge. Ah bah, il Get Lost pas, ok. Ouais, bah, je suis étonné du play. Dans, dans tous les cas, même s'il avait get losté, au moins on, on ouais. a taxé un peu, le, un peu le débouche, quoi. Bien pioché, ça. Hein. Ouais. Non, je crois que je préfère buter un land avec ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Ok, euh, je pense que le match-up il est, il est assez, euh, assez dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Ouais. Alors, on s'est fait gérer le Broncox sur un match-up relativement éclaté. Hein. Mmh. Ah j'aurais pu mettre la pression plus avec ma bête là. Chi. Eh, c'est ouais, ça, ça aussi euh... de... de faire que du draft. Ça n'aide hein. pas. Phase d'attaque. Ok je vais piocher ma petite carte. Ouais vas-y en plus t'as Eganjo pour trade son 2-2 si jamais il veut passer en bloc. pas de Pas de galère. Oh, pas mal ça. Forteresse, c'est ok. Du coup, il passe en bloc et Ganjo. J'espère si qu'il pousse euh... à jouer son get Lost. On va dire que c'est ok. J'espérais qu'il anime plutôt ça pour bloquer. Ouais, moi aussi. On va peut-être piocher deux avec ce ce Bronco. Si J'y je, je, mettrais quand même un petit, euh, un petit anti mais euh, Ou alors il ne voit pas venir. Ça m'étonnerait s'il a vu le pro-tour. Il connaît. Il connaît. Parce que là, euh, tour d'après, tu le selles. Il te laisse attaquer. Même si l'anti-bet, s'il prend 15, il prend 15. Hein. C'est euh, non solutionnable. Ouais, si je vais euh, le sceller, il est. Ah, oh, super. Bon, J'attaque. T'as aussi ta forteresse encore. J'attaque avec forteresse beaucoup, mais pas ça lui fera tomber un truc dans tous les cas non Ouais, foutu pour foutu là de toute façon oui voilà quand t'es derrière quand t'es derrière tu pousses toutes tes cartes vers l'avant et on voit ce qui se passe get lost elle est là la poulie bon nsr t'as aussi le permis pour jouer vite ou comment ça se passe ouais ah, c'était après réflexion pour, euh, pour jouer, pour jouer Stantibet. Trigger. Je grappille, hein Je grappille ce que je peux Bah ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'on a une issue favorable à la fin dans, non. dans, dans ce match-up ou où, où faut partir On peut voir, euh, il est quand même très long à tuer, mais bon. Parce que son deck, on le connaît. Tu vois, donc on n'a même mmh. pas de prise d'information, c'est le deck de Yuta Takahashi. Yutata. Donc, euh, on peut peut-être partir en fait. Euh... Après, nous, est-ce qu'on a des trucs chiants pour lui Justement, je ne sais pas si on est capable de reprendre le board, vu qu'il est anti-bet, plus draw 2. Avarice insatiable, on draw 3, c'est pas non plus déconnant, quoi. Je pense que là, tu, 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 tu le tu tues avant qu'il attaque, hein, avant qu'il trigger ouais. son. Avant qu il est trigger la DL. Avaris, assassiable ok, ouais, ça reste un top deck décent, t'as raison. Il peut pas trop le contrer, donc. Euh... Oh, c'est ce, oh, pas mal aussi. Ça, c'est très bien. Je pense que tu blitz euh, directos. On va ouais. aller taper. Euh, oh, je caractrice. blitz. Oh, j'y vais. Tu passes euh, outre No More Lies, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Nacer, coupe cette série Netflix que tu es en train de regarder là. Allez, fais pause sur YouTube. Non, on connaît là. Ouais, allez, concentre-toi. Oui, je sais que tu regardes Valet PL, mais c'est pas grave, ça attendra. Ah, il avait trois coups d'avance, c'est bien joué. C'est un, un, un peu ça son deck. Hein. Il, a, il, a, il a quelques coups d'avance sur nous. Ouais. J'espère que piocher je m'exterminer. Histoire d'être jusqu'au boutiste. Ouais, comme ça je peux tuer mes outsiders. Je suis une carte tout de suite. Ah, on oh, avait une fenêtre. fenêtre On avait on une, une fenêtre qui se, qui se referme petit à petit. Les trains se. se referme sur nous. Eh, C'est pas mal ça. Ah, S'il était à 9, là, j'attendais d'avoir euh, Raid et je faisais. Euh, d'avoir Avaris. d'Avarice, d'Avaris. Écoute, tu peux quand même faire Outsider. Pour ouais. peut piocher une petite carte, quoi. Euh, Allons-y. S'il a encore une gestion, on va passer à la, à la suivante, parce que là, ça va juste être long et douloureux. Bah, gestion qui n'exile pas, ça va. Hein. Oui, mais en fait, il a tellement de ressources, il a encore un draw, euh, un draw 2 parmi 7, que c'est compliqué, quoi. Alors, ce petit outsider, il ne va, il va pas au bout, malheureusement, quoi. après side on est, on est pas mal on a pas mal de trucs un peu intéressants quoi tu peux une okay, petite p'tite carte petite draw petite draw Ah écoute on est là hein bah là il, il aura sûrement pas de bonnes cartes sur 7 Ah ouais Sûrement Oui oui c'est vrai Il y a de grandes chances qu'il pioche que des landes sur 7 non Bah il peut hein. Séraphin d'acier séraphier d'Assin Saint d'acier. Ok, deux points, Régu, pas de soucis. Je continue Bah ouais, ouais. Oh, t'as un plan. Alors, c'est un plan. Imagine, quatre fois d'affilée, il bloque pas, il fait ah merde Et on a gagné. Ah, si j'avais su, j'en aurais bloqué un Ah, je pensais pas que c'était un vrai match, non ah, fois voilà. 3 12, je, ça n'est plus. Ouais, mais vas-y, c'est pas grave. Tu développes Séraphin après, t'es bien. Il nous l'enlève. Je le tue ou oui. pas Ah bah oui. Ah vas-y, oui. Ah, est-ce que tu veux développer Séraphin et tenter de, de tuer au Bronco S'il sait pas, tu vois. Ouais, il, Alors, il va savoir, long, il va interagir. Bon, on va ah, Je pense, que tu ça, sais, comme ça, je pioche ma carte. Il a passé de pèves. Il contre. Du coup, il, je pêche pas ma carte et il a ses DPV. Il y a moyen. Mais il a tombé un contre. Et vrai. Ouais. Et oui. Oh, elle est fendue en deux la carte. Elle est du en deux comme nous. Ah, c'est la première game de la vidéo. <laughs> ma bandé on game on n'est pas. On n'est pas frais à la gamme 1, mais t'es caté eh ouais. à la game de gros on est bien Et eh ouais là j'ai plus lanti bête que j'ai depuis le tour 2 là, tu peux l'animer ton mouillage. Tranquille là. Hein eh. Franchement tu pouvais avoir exterminé Wesh, hein. oui. Wesh, oui. oh, c'est wesh, Il bon. bah, y a eh. vu qu'il y avait bien ah. pas de pause. Et que j'ai pas exterminé ma bête, donc bon. Ouais. Et là il va bien la mettre euh, cut dans le proche. Oh regarde, pas le land. Voilà. Ok. Bon, euh, Barre-toi de cette Ch chaud Sors de ce game jutsu quoi. Tu peux encore ouvrir les yeux PL. J'ai encore la main sur ce qui se passe là. Serafin. Oui vas-y. Bonko. C'est vas comme ça qu'on s'aide sur C'est mieux de faire d'abord séraphin non Mais je me dis c'est ah fin... mieux de faire d'abord Bonko. S'il a non, plus non, de gestion, c'est mieux de faire d'abord Bonko. Euh... Ça va au c bout. Ça va au bout hein. Ah, c'est quand même 5-4 vols, I think. Hein. Ça tue vite. Ah, il, manque, hein. il manque un bout. Hein. Il manque un bout quand même. Que ça oui, mais quel bout Est-il gros ce bout Quoi bout Qui bout Bout de DBZ Encore lui Ouais, ouais. Alors, on ne parle que de bout de DBZ dans cette vidéo. On ne parle pas de Magic du tout. Il n'y a plus de cartes en main. Hein. Tension. Hein. Bon, il n'a pas pioché un draw 4, mais. Pourquoi Et bon. vous faites ça c'est pas très bien le jouer, contrôle. Si, c'est ah. bien. Si, on, va, on, si. Va, on, va, on va le dérouiller. On, hein. bien, on bien. Ah, est bien, on est bien. Ah, c'est la gamme une, quoi. Mais Je il, met des du, il, met du, il met du temps à tuer, c'est juste que. En fait, comme on n'est jamais vraiment à 0%, on n'est pas incité à concéder, mais dans les faits, on aurait pu partir un peu plus tôt. quoi. On est des yaourts à 0%, là. Attends, va mmh. trouver un peu de matière grasse. Oh la pas. matière grasse. Moi je ferai de Séraphin. Hein. Je mets tout. Putain, je mettais cette carte dans votre main, merde. Ça pouvait pas être pioché là Choqué là Les céréales Oui, les céréales choqué là. Délicieux, dégueulasse d'ailleurs. Ah, putain. Le débat Val, délicieux. Dégueulasse. Mais comment ça, dégueulasse C'est céréales au chocolat noisette C'est possible, possible d'avoir euh, un céréal goût sucre. Oui, mais oui, c'est possible, on peut faire ça, ouais. Mais c'est pas goût sucre. <laughs> franchement. Bah, très, les très céréales, c'est goût sucre. Mais celle ci un petit elles sont au chocolat noisette. Ah, J'aime oh, pas trop les choquets, là. Je dois, je, dois, je dois le concéder, oh. du coup. T'aimes quoi Toi, t'aimes les, 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 les trésors de Kellogg's oh. En céréales, ouais, j'en suis revenu, mais j'aimais bien ça étant jeune. Mais pareil, goût sucre, euh, j'aurais du mal maintenant. J'aime bien moi les, les moussis chocolat noir pour le coup actuellement. Ah mais ça c'est céréales de daron. Ah, Je te parle les céréales d'enfant. chocolat noir, c'est pas c'est pas les céréales les plus sains quand même. Hein. Il, y a, il y a quand même un peu de. Ah mais il y a aucune bonne céréale de toute façon. C'est que de la merde. Oui voilà. Mais euh, moussis chocolat noir, c'est. Euh... Euh, spécial cas. D'ailleurs, moi, j'étais très, euh, très euh, Coco Pops et, euh, et miel Pops. J'aime beaucoup. Et bon, on est mort. Coco Pops, ah non, euh, miel ouais, Pops. Coco tu Pops. vois, euh... ah les Coco Pops, c'est les euh... les petits oris soufflés. Ouais, oris soufflés. Ok, ouais. Pas les parce que pas les Choco Pops, les Coco Pops. Les Smacks de Trésor. Tu sais, c'est la grenouille là. Tu vois lesquels c'est Ouais, ça va. C'était juste ouais, du riz bien. soufflé. Et ben ça, je trouvais ça dégueulasse. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'ai vraiment choqué là, moi, ça m'a bouché une veine, quoi, depuis... Euh... Depuis, mais j'ai une veine en moins. <laughs> bon, alors qu'on le plie, il y On veut pas qu'on le là, parce qu'on rigole depuis tout à l'heure. On rigole, on et rigole, c'est drôle. Go C'est euh... pas horrible, ouais, ça. j'aime bien, ça. Hein. une carte flash, ça lui enlève un imbroglio de mixture euh, C'est pas un imbroglio de mixture putain, c'est déluge de rime naissance. Et, euh, et tu peux aussi... Euh... Alors ça blink ou ça euh, remet à la fin du tour? Euh, machin chose Ça? ça... Ouais. Prochaine étape de fin. Ça, te... ça flicker. Ouais, donc ça te protège d'une vraie, si tu peux rentrer ça, ouais. Ce que tu veux pas. Je pense que berger voilé, bon, c'est pas. Euh, c'est pas trop du level de ce que tu cherches. Euh, tu veux aucun droit à la gorge? Bah... Pas bah zinzin, non? En fait, il va, rentrer, il va rentrer des requins, il va rentrer, il va rentrer des merdes. Hein. Je pense que tu dois en garder deux. Je pense que tu peux cutter une Sheldred. Oui, Charlotte c'est lent contre lui. Donc, deux ouais. même. Ouais, tu peux cutter deux Sheldred. Tu peux enlever peut-être les affidés de Raffine. Je sais pas si c'est divin euh, contre lui. Peut-être que tu as besoin juste 8. pour avoir un compte de tour 2. Non, c'est de la merde, t'as raison. Et t'as peut-être trop de drop 3 maintenant. C'est vrai, tu quand même beaucoup, beaucoup de drop 3. Bah, ça, ça c'est flash et ça c'est un drop Kuzil, 2 il est un peu il est un peu mignon je sais pas non oh, il est bien il est bien bon vas-y vas-y par comme et ça et qu'il y a un moment euh, on va faire Elite kudzil je t'enlève tes deux déluges de il va faire oh et après il bah, tue tu l'allié je l'espère mais son coup il sera il sera bluffé quoi allez je vous me promets c'est un main 6 qui fait rien le T3, c'est pas un peu de la merde par hasard Ouais c'est pas dingue hein. Please. Ça, ça c'est une super main ça. Je kiffe, je vais droit un land. Mec quitte, comme ça on jette la game au pire. Tu bottom ombre de fatalité là. là, là. <laughs> J'avais pas vu la, la carte de gauche. Euh, de droite, pardon. Mec allez, oh, ça, ça c'est vraiment de droite en... ça. te Putain, le jeu. Merde alors. Ah ouais. a bah, choisi de la jeter cette game. Oh, T'avais envie de la faire toi Bah franchement, ouais, je pense que notre deck il est bien après side hein. Je suis ah, trop déçu. Y a plus combo. Je sais pas pourquoi Mec, c'est pas incroyable Pourquoi il y a plus la combo Bah, il y en a une dans la main, une au fond et on mélange pas le deck, ouais, je c'est bon. Ouais, mais tu tutorises avec avarice insatiable. Ah oui, c'est vrai. Chafel, oui. Du coup. La, combo, la combo elle est pas random. Franchement, il fallait deux manas pour qu'on joue, c'est tout. Ouais, ouais. J'ai vu. Par. par oh, je vais voir si je pioche un land un jour. Désolé, je vous et prends encore l'otage. C'est important pour moi. Voilà, on pioche un land un jour qui est. De tape, allez, pas de problème, pas de problème. Putain, pourtant le deck il est bien après side. Ah, j'avoue, Comme... j'aurais pas, on aurait pas dû la garder. Euh... On pas dû la garder. On a, on a cédé, on a cédé à la facilité. Comme le type sur TikTok, j'ai oublié comment il s'appelle, un petit cri pour fêter ça. Ah voilà, c'est le petit mouli, c'est le mouligade, il nous a mis dedans. C'est pas grave, on va en a refaire une. Ça va bien se passer. Ah, en fait, cof. on en avait plein les couilles, très honnêtement. Et ne dis pas non, Val. Ben non, en fait. De me dire, euh, oui, à garde un land. Pas... C'est sûr. Mais gros, t'as vu ta main Ah, bah ben oui, j'ai vu. Si tu, trouves, si, si tu trouves le deuxième land, on oh, le satelle, le type tient la combo. Non, mais j'ai été greedy, il fallait jamais la garder. Mais elle était. Euh... Elle était enviable si tu veux. Ah, obel. Oh bello belle. belle, oh belle. Chicho Bello. Bello bito. J'arrive gardien. Vas-y hein Je oh, veux ouais, mettre la max comme ça. Tu mets la max. Euh, je peux même, euh, Et Ginjou. On aurait jamais dû la garder, hein, j'avoue, On a cédé. Euh... Après, on sait maintenant, mais on top des clans dans le satel, euh, On est trop content de la décision. Eh oui, oui, c'est ça, c'est ça. Exterminé mais si, mais, si, mais si jamais on sait pas, euh, Merde. on ne pas quoi. Merde Ruby <laughs> Merde Au moins, son cut-down, il est parti sur la Screlve. Bon, il en a un autre. Peut-être, peut-être. Mais tu vois que d'un droit à la gorge touche pas ça. C'est vrai. Non. Mais ça se de tuer avec des bêtes, euh, je vois pas. Hein. Je pense qu'il voulait. Mais en standard, ça marche plus. Analyste. On tue pas avec des bêtes en standard. Bon, tu peux. Hein. Tu peux, tu peux. raffine ouais. ça tue avec des bêtes, quoi. Ouais, mais rafine s'est cheaté Bon il joue quoi d'ailleurs? Oh bah lui il a pas de lande non plus. On va Faire un petit affidé de rafine là pour euh, pour dégager euh, l'ombre. Le lien de vie. a une vie ça marche pas avec. Belle ombre. Pas, ça. Belle pas, ça On a pioché un ah non. Oh, il joue Dimir, oh. contrôle. J'y mets tout, non Ouais, ouais. Tu, tu veux piocher un, un terrain un jour ou... Comment ça se passe Ah, moi, oui. D'accord. Tiens, toi, tu as euh, le lien de vie. Il est où Oui, il est là, au milieu. <laughs> mais là, ça bagarre, là. C'est le moment où on prend Vras, c'est ça, non Je crois. Oui, mais semble. moi, je vais trouver Land pour faire red. Oui, ah, bah ça va, alors. Du coup oh oh ça va j'ai dit hein ah oui ça va non non ça va Oui, ouais, ouais c'est bon c'est bon non okay. mais j'avais dit t'écoute plus ou quoi ben ouais ouais c'est vrai j'écoute plus mais j'ai remarqué que tu m'écoutais plus remarqué, alors on fait un jeu si tu passes la barre des 35 pv t'as gagné ok ah ben, c'est marrant il a perdu ah ouais Attaque Séraphin. Ah non, non, il manque un, il manque un. Bah si, il fait voler Cholred. Ah oui, je suis con, ça fait voler ça. Ah ouais Mais depuis tout à l'heure, je fais live. Ah ouais. Non mais là, je suis plus du tout, moi. Mais pourquoi il a joué Sholdraid Tu veux nous faire croire à un truc. Ah non, je... Prends ce que la vie t'offre. Donc lui... enlève les codes d'ordre. Euh, lui il joue méchant lui. Alors, lui tu mets deux contraintes, ouais. Interrupteur je sais pas, il a l'air d'être très, euh, très interactif hein, le poulet. Je crois que c'est pas très bien interrupteur contre lui. Mmh, ça interagit je pas. Je crois que globalement ça l'interrompt pas. pas de... Ouais ça l'interrompt peu quoi. Ok bah goût comme non, ça je crois que je crois que ta liste elle est bien là je regarde un peu. Garde un peu d'un petit bête. Non, t'es bien là. Ah, je suis bien là. Là, tu, tu, tu te sens un peu ambiance. Ambiance festive. Ambiance festive, ouais. Ambiance full moon. Ambiance festival, ouais. Ouais. Sur la plage, défoncé sous taze <laughs> Oh, tout ce que j'aime. Oh, vraiment, pas être maître de moi, euh, consommer des trucs euh, qu'un type m'a donné sous le manteau. Ouais. Euh, un peu foufou. Ouais, vomir sur des potes. Euh... Excellent. Weekend goal, voilà, vraiment. Si ouais, tous les samedis, tu vas aller mettre très très loin de chez toi, euh, avec le premier hôpital qui est à 30 minutes de route. Le plaisir, quoi. Ouais. Ça, pour moi, c'est une vidéo TikTok euh, du compte Destination de Rêve, tu vois. Ce que tu viens de me dire là. C'est littéralement ça, quoi. Je l'ai en tête là. Euh... Est-ce que le mouligan 6, c'est une destination de Rêve moule 6. Oh, belle elle, pas elle, vraiment elle. mais ça va bah, comment ça pas vraiment pas bon co. dans, dans cœur, c'est bien oui d'accord bon bon co. Bon co. Oh, PL, je te rappelle la destination originale c'est euh, full moon et vomi ou cette main euh, un ticket pour euh, le, le, la Thaïlande s'il vous plaît <laughs> tout de suite euh, moules sens on a une chance et je vais devancer. Euh... Ah non là, je crois qu'on est assez tard dans la vidéo. Les gens, ils ont déjà commenté parce qu'ils attendent pas la fin. Euh, ce qu'on dit, MDR euh... le <laughs> deck, c'est Bronco Non, pas jamais moi. Oui, merde, euh, il nous le tue le Bronco. Je peux rien faire moi. Je peux oui, rien faire. Toi qui commente là Il commente contre nous. Il a déjà oui, commenté. Oui, tu as raison. Oui, mais je... Tu as raison je vais vrai. le voir ton commentaire. Si tu le modifies ou si tu le supprimes, je l'ai vu. C'est trop tard. C'est vrai. <laughs> c'est vrai. Il se passe, il se passe rien dans cette game. Tu peux le dire. Tu peux le il dire. Passe rien. C'est de la merde. Ah ouais, c'est de la merde. Qu'est-ce que je te dise Putain, il craque. Bah, c'est la Thaïlande, hein, ça y est, euh, il s'y voit déjà. Ah Enlève le berger. Franchement, le berger, non, le berger me dégoûte. Ah, berger, berger. En fait, berger, j'ai deux manas, je peux le casser les deux je autres non, mais. J'en supplie, n'attaque pas. Je pas Je n'ai jamais attaqué avec une screve de ma vie. Même quand ça me donnait ouais, l'étale. Mais... <laughs> Même si c'est l'étal, j'attaquerai jamais avec. Non, c'est bien. Tu ouais. voir ta main, toi Eh ouais, ouais, bah enlève mmh. hein. le cover up là. Euh. Ouais, bah, il, va, il va trouver assez facilement ses lentes quoi. Donc... Bon, du coup, je te les deux. Et ah. nous Par contre, si, en fait. non, parce qu'il peut, il peut piocher, il peut piocher en bat Mais du coup, il fait pas le mais non on fait rien d'autre. Ouais, mais shield tu l'accueilles de toute façon. Je l'accueille, tu l'accueilles, ouais. ouais, tu l'accueilles et tu l'accueilles. Vous l'avez chez vous. Upkeep. Euh, je Par contre, si je pioche pas de land, je hurle. Un petit clan. Pour fêter ça. Allez, je la tue. Merde Putain oh. Le jeu, quoi. L oh Non. Oh, mais il y a pas le deuxième bleu. Enfin, il vient de l'avoir, quoi. Ah, voilà. Allez, garantie de Et ça dégage, là. C'est eh bien as affronté les deux faces d'une même pièce. Contrôle, ouais. version blanc-bleu, version noir-bleu. Choisissez chez vous ce que vous voulez jouer. Je pense que vous avez ouais. un indice dans la vidéo. Si vous voulez choisir un bon deck, choisissez pas celui de notre adversaire. J'en dis pas plus. Je reste volontairement flou. Il y en a un qui est mieux que l'autre, mais on vous donnera pas la réponse dans cette vidéo. C'est à vous de trouver. Oh <laughs> Nickel. Oh, bah, allez. Il va être déçu, Jean-Pierre. <laughs> le plaisir. Je sais pas si c'est pas Vras en vrai qu'il fallait dire, mais. Je pense non, que c'était Vras. Non, non. Ah si, c'était mal joué. Il fallait dire Deadly Cover Up. Tu penses ouais. Faut tourner autour du top deck Franchement, là, si peu, il résout rien. Bah en fait, Vras, ça nous fout droit. Alors que Piocheur, là, que, euh, il te, pouvait pas le casser. Il euh... droit sur place. J'ai cru que c'était <laughs> cover up. Ouais, mais ça c'est pas grave. tu peux quand même attaquer à travers moi j'ai fait piocher 3 Il gagne six je crois que tu refais garant sur cover up cette fois-ci et juste attaque avec euh, avec ton garant quoi Garang. avec le g euh, c'est quoi des de -les cover up ah bah je ne sais pas dissimulation est mortelle. en français. Ah, dissimulation merde dissimulation On lui met un par tour. Le beat down et... Ouais, le, le beatdown est après tu peux tu peux trouver anti-bet quoi. Je peux faire ça sur moi pour perdre 9 PEV. Non mais tu peux aller tutoriser un truc par contre. Non ouais, je peux le faire si mais. En vrai. En vrai, en vrai. Je vais tuto bronco. Le bronc. La shold hein. Bah ouais hein quoi que là, non, attends, fin de tour, il va chercher Land plus Vras. Non, non, on se fait dérouiller si tu fais ça, gros. C'est une catastrophe. Je fais pas là du coup Prends 6. Six... Non, non, je crois que tu fais pas Red. Je, je mets juste 3. Tu mets juste 3, tu vas tutoriser un truc avec, avec Avari, je pense, ouais. C'est trop facile, là, pour lui d'aller chercher un truc. Je vais juste cibler l'autre. Pourquoi Parce que s'il si me le tue en réponse, je préfère qu'il libère euh, sa plutôt que ça. Ah ok. Et tuto. Et tuto, qu'est-ce qui nous aide à tuer là Un antibet juste Pur et dur Oh ça. Ouais, je crois quanti c'est bien. Hein. Ouais, bah prends anti hein. Comme ça là il va faire Vras. Ouais mais t'auras ton anti te... pour plus tard. Si il fait Vras, toi Et tu euh... repars avec ta shell Oui, oui Val. Ben... Exactement. Écoute, on fait comme on peut, on fait comme on peut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Allez, land, Vras, passe. Et après on souffre un peu, quoi. il l'a pas il y a peut-être juste counter spell hein. j'essaye hein. oui oui après euh, que, que peux tu y faire de toute façon très peu de choses très très peu de choses counter spell une, une tension les yeux Ben c'est peut-être perdu là, tu donnes pro. Hein Il en a, en a une, une deuxième Ouais mais c'est pas grave, tu rentres 6 points. Il me tue ça. Okay. Il a pété l'autre, ouais. Ah d'accord, ok. Wouah Wa con Ouais, mais c'est veut dire qu'il a pas Vras. Finalement. Bah mmh. bon, il a peut-être, il avait juste pas le land. S'il fallait 7 autour d'avant. Oh. oh. je tente. Ah oui, tu l'attends, oui. Ah oui, puis là faut que c'est Greg qui la sort. Hein. S'il la sort et pas. Euh... Et si je l'attends, on avait deux, ce serait bon donc. Donc. Euh... <laughs> Il va pas la chercher là. Greg il la sort pas. Il a le dragon euh, teubé là, que ah, t'aimes bien, hein. ah, bien, bien. Ah c'est bien ça. C'est bien, ah, c'est bien. je crois que t'attaques quand même, tu mets 3 et il advienne que pourra. Oui. A 3 il a quand même la voix fatiguée. Ah je sais pas si je mettais pas un point pour tuer avec Shouldred s'il va assez. Non parce que là s'il trouve antibet, tu protèges encore Affidé, quand même. Ouais. Ah dommage. En fait, tu tournes moins autour de Vras, et effectivement, tu aurais été content avec ta Shoulder aid, mais tu tournes mieux autour d'Antibet et genre il a au moins autant d'antibet que de Vras et de toute façon, Outsider met 3. Oui, là, je trouvais que c'était OK. Je vais tenter Outsider. Bah c'est qu'il a déjà passé pas mal d'antibet donc euh... Gros, ils jouent Dimir. Tu les connais, les mecs euh, Tu les connais, Dimir ah, Dimir, il se balade dans un égout, il y a un je, anti bête par terre. Je il. les connais que trop bien. Par contre, à 7, il a quand même un manant qui met 4, faire gaffe. Hein. Faut faire Guy de Black Eyed Peas. Regarde. Je te dis, ils en ont toujours un. Je, je me dis, Card, du reste Ils trébuchent sur les anti-bet, les, les joueurs de Dimir. Il y en a partout. C'est vrai. Mais qui c'est qui a foutu autant danti là bah Re-outsider, il hein. y a un moment. Euh... Bah non, on est 4-4 qui bloquent là. Ça fait chier, hein Bah un oui. Peu, oui. Hein. Allez, show le dread. Lâcher hold dread. Lâcher hold dread. Je crois que là, on ne gagne plus jamais. Pourquoi on a 7, Val voilà. Ils sont où les PV c'est qui qui a fait ça? Comment ça, on gagne plus jamais, gros? C'est Dimir en face. Hein. C'est pas. C'est pas le bon deck, là, c'est le mauvais. Hein. Sans donner d'indices chez vous, hein, bien sûr. Je vois pas trop comment on gagne, mais. C'est bah, des livres de réminiscence, il... pas danti Et. Et s'il est obligé de trouver une vrace pour faire partir Sholdred, du coup, il peut pas animer son land et tu le finis avec Outsider. Ça veut dire qu'il trouve pas danti sur 8 cartes, sachant que. Tu me disais, il euh, y a pas plus d'une seconde. Bah, il, il, il trébuche sur les anti c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, a de fortes chances, quoi. Ouais. Mais toi, si tu trouves anti tu t'as gagné aussi, hein. Donc, euh... Ouais, maintenant bah oui. Donc finalement. Ai... J'en ai plus beaucoup. Par contre, quand tu fais trois lambda, c'est un peu oui, de la merde, bien, non ça, ça devient évidemment plus dur, mais. On commencer par ça. Ça c'est un peu chiant. J'ai très envie de jeter une carte active pour avoir une carte qui propose l'étale ah, bah nickel. C'est comme si t'avais eu du choix. Oh Non. Non. Je peux piocher une carte avec ça, mais je vais la piocher avec ça. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui. Allez monsieur. Allez. Oui, très bien. Ok. Si bête on est mort, et vu que il trébuche dessus... Vu qu'il y en a partout dans les égouts de Ravnica. Ah voilà, bien joué. Euh, bah, oui, voilà. Attends, juste regarde son cimetière, on fait une capture, une capture mentale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belle Propre. Et encore, j'aurais dit. Cartes. Si tu mets ici sites les, les anti-bêtes, euh, j'aurais dit euh, 32, tu vois. Une 32. carte sur 3. Facile. Hein. Non, non, mais une carte sur 3, quand même, je dis. Oula, poulet ah, bah il l'a pas. Écoute, il l'a pas. Il, euh... il était pas ouais. au courant. Non. Après, c'est vrai que s'il anime. Non, en vrai, ouais, il joue bien. Si jamais il anime et qu'on l'a Il est, si il bets, on le punit. Il ouais, est mort. S'il a pas contre. Non, c'est vrai, là. A... Tishana. Ouf, on a bien pioché de la merde. C'est quoi C'est Shulad, hein Attends, est-ce que tu peux faire Non, je crois que c'est Garant parce que tu peux faire Garant plus Outsider vu qu'il peut pas animer là. Euh, outsider, je fais là. Pourquoi tu ferais pas Ouais, ça me fait perdre de pve. Tu préfères Choldrè Ouais, je peux prendre Garant. c'est que Choldrè, ça le tue pas de toute façon. Ah. Voir Putain, ça tu déjà. Pourrais tu pourrais piocher un Bête aussi. Tu pouvais même piocher Insatiable Avarice et le tuer gros te rends-tu compte Ah, j'ai 3 hein, euh, insatiables avarices qui le tuent, ouais. Oui. Oh, on va y arriver, Val. Eh, peut-être, peut-être qu'on va y arriver, ouais. Peut-être bien. Et là, tu as Outsider, il est obligé de trader. Et, et dans ce cas-là, mmh. derrière, sur le, sur le combat, il te tue pas avec ses 4 points. Même si tu en as pris 2, t'es à 5. Donc en vrai, on est dans le, bon, on doit être dans le bon ratio, là. Tu peux y aller. Mmh. Quoi Oh, C'est une blague quand même, non? Merde, Dwart. Doigt <laughs> Oh, le doigt à la gorge. Mais attends, mais elle ressemble à, elle ressemble à quoi? Ça déclisse, ça n'a aucun sens. Yes! Ah, il bloque. Ah, Et eh oui. Ouais. Ah, il veut pas mourir. Ah! Ça, ça nous remonte un peu un père. Et, euh, voilà, et il peut pas le tuer. Supplie, faites qu'il nous tue avec la carte qui peut gérer notre séraphin. Ah non, le CCM c'est euh, 6 du séraphin sur le board. Oui. Ah si je fais 6 euh, mana. Si non, fait, sur le board c'est 3. Ah je sais plus. C'est 3 si tu le prototypes. Ouais, je ah je sais plus non plus. Oh sa vrace. Ah, il veut nous enlever ça. Ouais. Ouais, il a raison. Et du coup je vais y mettre mon séraph bah j'ai payé 6 de toute façon, bats les couilles. Moi ouais, je, je crois. Hein. Bah, Vas-y, bats toi dans les couilles. T'as <laughs> raison. Ah, fais voir, fais voir aussi comment tu t'en bats les couilles. Beaucoup de retournements de situation dans cette ouais. game. Hein. Épique, épique la game. D'ailleurs, c'est bien joué d'avoir pioché simulations Mortelle parce qu'on connaissait sa main, il n'y avait pas un. <laughs> enfin, je pense, je pense Jamais Sonya, que que son à deck c'est un même. à ce point-là c'est ce point trop. Oh le même deck. J'y mets à 6. Hein. les aimes, les cours dissimulés. J'en ai rien à foutre. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. C'est marrant oui, quand là, même. Euh, parce top que deck. si je trouvais l'un des Top, je trouvais Bronco aussi. Bon, ça mourrait, hein, mais je pouvais proposer deux plays. Il n'y a plus qu'une de cours dissimulés. Et alors, là, Dimir, avec tous tes antibêtes, tu vas faire quoi Quand tu peux plus tuer les créatures, tu fais quoi Là, actuellement. Ils ne sont pas un peu démunis on lui met 5 en fly. Tu te sens pas un peu con même et Il peut piocher, il lui reste deux mana pour gérer ça et il a déjà utilisé un truc qui fait sacrifier. Il a dit ça. C'est sa seule gestion clean pour euh, attraper notre notre 4 Ah les petites euh, petites cartes là. Bon, est-ce que juste on met Séraphin Ces anti-bêtes, ils servent à rien et on gagne. Franchement, belle ah, morale, belle, belle, belle Morale dans cette histoire. Hein. Ou Balmorel. Oh la oh Morel, c'est de belle Morel. J'aime bien, moi. On dirait un poisson. Ouais. Bah, c'est un mais long poisson, en forme de, ouais. de serpent. Ou de sexe, ça dépend. C'est gain. C'est gain sur Séraphin d'Acier. <laughs> superbe. Superbe. Ah, c'est superbe. Oui, j'ai adoré. J'ai apprécié ce match. C'était vraiment du beau magic. <laughs> que des anti bêtes Que ça en interagit. Coup, la la combo, oui. elle marche, je vous jure. Ah. Grandiose. Croyez-moi, bah, tu sais quoi je l'ai vu. <laughs> j'ai vu dans mes rêves. Tu sais quoi? Ça avait pas l'air délicieux, mais franchement, ça l'était. Allez, supprimer. Ouais. Bah, en fait, j'adore je... l'idée du deck. Comme tu disais tout à l'heure, c'est bien pensé, il y a plein de trucs qui marchent et tout. Mais dans les faits, il y a vraiment une sensation... J'ai été un peu dur, je suis désolé. Mais il y a vraiment une sensation de jouer avec tes murs, tu vois. Qu'on a joué récemment. c'était Les mots sont durs. Ouais, mais ça m'a donné ça. C'est genre, putain, tout semble aller correctement et rien ne va correctement. Tes ça donne un peu plus que tes murs quand même. Parce que ça interagit avec l'adversaire. Ça protège un peu sa combo, ça a un peu de side disruptif. Alors franchement, euh, t'es dur. T'es dur, me. T'es dur, mur. T'es de mur. T'es Franchement, mûr, on a deux aides là, euh, Jean-Michel anti hein. Ouais, ouais, mais bon. à la une, il a joué trois cartes. Et. Euh... Ah ouais, mais pourquoi Pourquoi il a joué trois cartes Ah, parce qu'on l'a taxé, c'est vrai. Ouais, non, ouais. non. Euh, effectivement, effectivement, effectivement. On a battu le Tirin qui a dit meilleur contrôle avec Bronco, euh... Bronco <laughs> agro combo. <laughs> C'est cool! Non, c'est okay, bien, euh, c'est bien. On est là, on est là. de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.